Il aura fallu attendre la sortie des deux premiers salariés convoqués ce matin pour connaître les motifs exacts de leur mise à pied. Et ce qu'ils nous reprochent, c'est des deux choses qu'ils ont mis à l'ordre du jour du CSE extraordinaire pour l'avis sur notre licenciement, à savoir l'entrée par effraction de deux journalistes de France 3 sur le site, alors qu'on a fait rentrer deux journalistes chez nous dans notre local syndical. Et la deuxième chose, c'est un tract qu'ils jugent, eux, diffamatoire. Alors que s'il est diffamatoire, bah seul un juge peut dire s'il est diffamatoire ou pas. Et concernant la diffamation, pour nous, on est dans le cadre de la polémique syndicale. Enfin, voilà. Pour défendre les syndicalistes mis en cause, la CGT a mobilisé ses troupes. Entre 200 et 300 militants se sont réunis toute la matinée devant la porte principale de l'entreprise, avec parmi eux des délégations des 7 sites de Veralia venus de toute la France. Oui, c'est important qu'on soit là aujourd'hui parce que Veralia, on est une famille, on a un métier qui est très dur et donc c'est normal qu'on soutienne nos camarades. Donc moi je viens de Cognac, donc j'ai fait 7 heures de route. Dans un communiqué, la direction réaffirme que, je cite, « les analyses ont toutes démontré une absence de fibres d'amiante dans l'air, confirmant l'absence de danger pour les collaborateurs de l'usine comme pour les riverains ». Concernant la mise à pied des trois salariés, Veralia déclare « il s'agit de procédures qui s'inscrivent dans un cadre légal et qui seront soumises à analyse par les autorités compétentes ». Un comité social et économique extraordinaire est prévu demain pour statuer sur le sort des employés incriminés.